Bon les amis, yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo en PVE sur le PIAF étage 4 avec Shion. Et honnêtement les amis, Shion, je le dis dans cette vidéo, je vais le dire dans énormément de vidéos d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs personnages en PVE, elle est incroyable. C'est... les gars, je sais pas ce qui s'est passé avec cette collab, mais Milim, elle pète le jeu en 800. Shion, elle pète le PVE, parce que oui, les amis, Shion, elle est axée PVE. Bon, je dis Shion, il y en a qui disent Shion. Bref, on va dire Shion, les gars, voilà, j'ai déjà eu le commentaire, ouais, dis Shion. Je vois très haut. Comment ça, mon ref? Donc, ouais, écoutez, les amis, voici la team. Cette deux cartes monoraces, les stuff, les voici, c'est du classique. Attaque des frites pour les persos à droite, et à gauche, c'est du HP réinscrit. Alors, tu vas me dire pourquoi j'ai fait un stuff HP sur Shion. Alors, honnêtement, je me dis, sur le long terme, bah, c'est le stuff le plus pertinent, surtout dans les contenus qui vont arriver plus tard. Et le truc qui est marrant avec Shion, les gars, c'est qu'elle fait tout. Mais vraiment, elle fait tout. Donc au début du combat... Hop. Donc au début du combat, tu verras qu'on aura deux buffs grisés qui vont durer toute la game. Donc toute la game, ça... c'est n'importe quoi. Genre vraiment, les gars, je vous jure que c'est n'importe quoi. Toute la game, Shion, elle sera utile. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ce passif... Le premier passif, comme tu peux le constater, il y a un stack, et c'est en fonction des PV qu'elle a régène au début de son tour. Et en gros, ça va se stacker jusque 100 000. Et a priori, tu vas rester à 100 000 toute la game à un moment donné, donc ça c'est cool. Et en gros, à chaque début de tour, ça va prendre 10% de 100 000, et ça va booster l'attaque de tous les alliés. Donc en gros, si t'es full stacké, tu vas booster 10 000 l'attaque de tous les alliés. Ok. Deuxième point, les amis... c'est la régénération. Pour chaque 1% de PV en moins sur Shion, alors tu vas donner 2% de taux de récupération sur tous les alliés. Et ça, les amis, c'est comme Matrona Rouge à l'époque. C'est incroyable. De plus, pour chaque allié sur le terrain, elle va augmenter ses stats de base de 5%. Et elle va réduire les dégâts de la team de 7%. Donc ça fait un bon petit 28% toute la game dès le début. De plus, si... il y a 3 monocibles utilisés dans le même tour, alors tu auras pendant 2 tours ou 3 tours, je sais plus, un buff qui augmente chance crit de 30% et dommage crit de 50% sur tous les alliés. Voilà. Et la relique, en plus de ça, si pareil, il y a 3 monocibles utilisés, tu vas enlever 2 malus sur tous les alliés. Enfin bref, les gars, je pense que vous êtes en train de comprendre que Shion, elle est complète. Entre réduction, boost, DPS, parce que oui, les amis, elle fait mal aussi, Shion, hein. Monocible amplification, deuxième skill domination, et une spé qui booste ses stats de base. Bon, c'est l'aspect de Galan, Galan bleu. Bon, c'est pas une spé qui demande du spé 6, moi je l'ai spé 6 parce que bah je suis la way que je pense être, lol. Mais en gros, les amis, Shion, elle est parfaite. Parce que c'est pas avec Milim, ça j'en ai pas trop parlé. Milim, les gars, il n'y a pas de condition pour la jouer aussi. Et là, comme tu peux le constater, il n'y a pas de condition. C'est pas marqué, ah, il faut jouer des inconnus, ah, il faut jouer ça. Bon, bien évidemment, il y a des personnages type frère, Thor, etc. C'est plus intéressant quand même de les jouer, pardon, avec Shion. Mais bref, les gars, vous avez compris que c'est n'importe quoi. Et le truc qui est cheaté avec notre ami Shion, c'est que le skill 1 et le skill 2 touchent. Enfin, touchent. Et t'as, je crois, tu vas enlever les buffs d'immortalité. Donc en gros, elle est parfaite pour le PIAF. Clairement, les amis, elle est parfaite, y a rien à dire. Et vous allez voir qu'elle fait très mal. Hop, on va mettre le skill amplification. Donc là, on arrive... ouf. Ah oui, les dégâts, ah oui. Ouf. On sent qu'on a le 7 monoras. Hein. Donc là, on a le buff de chance crit. En plus, ça se met pendant l'animation du troisième skill. 229 000, parfait. Elle est pas stackée, hein, d'ailleurs. Ah mais d'ailleurs, je peux garder mes heals en fait, juste à utiliser 3 monocibles et j'ai déjà moi en fait, vu que je cleans maintenant. Donc là, tu vois, je me fais taper, c'est parfait, hop. Donc là, tu vois que je me régène combien? 5130. Et normalement, j'ai régène à peu près ça, on va dire. Et là, donc, j'ai boosté un peu l'attaque et ça va se booster au fur et à mesure dans la game. Voilà. Donc là, normalement, les gars, si je tape avec 3 monocibles différentes, je vais cleanse les malus et forcément regagner mon buff de chance crit et dommage crit. Donc là, bien évidemment, on va taper. Let's go. On va tester. Ah ouais, c'est n'importe quoi en vrai. Ah ouais, ça cleanse. Ouais. Lol.
Oh non, une level 3, ah ouais, le troll. Ah ouais, le giga troll, mon pote. Oh. Ah ouais, envie de prendre l'écran et le fracasser, en fait. Oh. Bon, ça, malheureusement, les gars, c'est la mécanique du piaf, hein, les gars, vous connaissez. Ouais, wow, les gars, là, y a rien à faire, hein. À part attendre. Ah ouais, j'ai le one shot, non? Ah ouais, je vais le tuer, hein. Non, ça va. Ça va, ça va. Ok. Ah, c'est relou en vrai, hein. C'est vraiment relou, les amis. On perd du temps en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on perd du temps actuellement. Et ça, les amis, c'est relou. Pote, oh, on prend vraiment aucun dégât. Là, on va se régénérer. Ok. On est full stacké ou pas? 55 000. Donc là, on a gagné de l'attaque. Bon, là, on a une réduction ici. On va commencer à stacker frère aussi. Bon, honnêtement, les gars, là, j'ai la pire main de France. Clairement. Lol. Ouais. On va faire ça, hein, écoute. Allez, donne-moi une level 2. Non. Aïe, 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 aïe. En vrai, les gars, c'est cringe un peu ce qui se passe, hein. Faudrait une level 2. Sinon, bah, bye bye. Ah, les dégâts, par contre, c'est affolant, les amis. Hein, vraiment. Hein. Allez, une level 2, please. Nice. Voilà, écoutez, les amis, j'ai eu la pire run possible. En vrai, j'ai eu la level 3, ça m'a troll, lol. Mais bon, écoutez, les gars, c'est la vie. Oh, tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut jouer en HP. Hein. Regardez, les gars. Donc là, on est full stacké, 88 000. Donc là, regarde les stats de la team. Ça commence à monter gentiment, j'ai envie de dire. Faire ça, ça, ça. Let's go. Bah, en fait, le truc, c'est que Shion, tu tankes, ça fait mal. Déjà, les gars, le perso est juste parfait, en fait. La team, ouais. Mais la team, what? Mais wesh, frérot, comment ça tu tapes ici? D'habitude, les gars, on fait pas de dégâts ici. Hein. Ah ouais, non, les gars, Shion, elle est parfaite. Hein. Ah, je suis désolé, mais elle est parfaite. Hein. Oh, c'est une dinguerie d'avoir un perso comme ça. Hein. Ah ouais, c'est terrifiant par contre. Hein. Ah ouais, les gars, c'est nimp un peu. Donc là, on est full stacké. 80. Ok, on galère à se régène, en fait, on est toujours full vie. Mais bon. Regardez tous les buffs. Elle a combien de stats, Shion? Bah, les gars, je veux dire, à un moment donné. Tiens, c'est quoi ces stacks bizarres là? Toi, il y a d'autres stacks? Oh, c'est marqué 5. Peut-être louper un truc. Ah non, Kena, elle se stat. Elle se stack, pardon, avec les monocibles en fait. Là, avec les buffs qu'elle se met en fait. D'accord, ça, j'avais totalement oublié, les amis. Oui, c'est vrai que. Bah, elle tape aussi. Hein. Ça, c'est. C'est qu'on avait oublié en fait. Loul. Je vais garder ce skill. En fait, le level 3 en vrai. Bon, là, on va one shot, hein, je veux dire, les gars. Donc là, j'ai mis ma spé de Thor en fait pour vider ma main littéralement. Ah, ouais, les dégâts qu'on fait. Ouais, c'est affolant. Hein. Vraiment, les gars. La team, en fait, le truc qui est trop marrant, c'est que tu fais juste trop mal en fait. C'est débile. Et le truc, c'est que je le redis, Shion, elle tape. Hein. En plus, elle crit. Hein. Et ça, c'est cool parce que, en fait, quand tu mets pas de crit à certaines phases, t'as envie de. Ah, ouais, non, mais les gars. Non, 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 elle est incroyable. Elle est incroyable, Shion. Mais elle est incroyable. Elle est parfaite. Elle est divine. En plus, elle damage qu'avant. Ouais. Elle est divine. Non, les gars, elle est trop forte. Vraiment, elle est incroyable. L'un des meilleurs personnages en PvE, je pense. De très, très loin. Tu tankes. T'as du DPS. Elle est broken. Voilà. Elle est parfaite. C'est incroyable. Incroyable. GG Net Marble. On a 100 000, 93 000. Ah ouais, on galère à se stacker par contre. Hein. En fait, on prend tellement aucun dégât, les amis, que bah, c'est complicado. Hein. Soit encore une fois, les gars, je le redis, on va crit dans tous les cas. En fait, le truc, c'est qu'elle a 240% de chance crit. Enfin, oui, on va crit, genre, y a aucun débat là-dessus. Puis avec le buff et tout, je crit. Enfin, bref, elle est. Oh là là, oh, les dégâts, mon pote. Hein. Oh là là là, mais comment elle est incroyable. Oh là là, c'est ma reine en fait. Oh là 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 là. Bon là j'ai une main cringe, mais
Le truc, c'est qu'en fait, on a deux skills de Shion qui touchent. Donc ça, les amis, c'est incroyable. Tiens, mais tous les buffs qu'elle a, mais tous les buffs, t'as combien de stats? Oh là 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 là, oh là 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 là, les amis, mais elle est incroyable. Même Thor, elle galère, frérot, elle est en PLS depuis tout à l'heure, Thor. Là, c'est terrifiant, en fait. Ah là 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 là. Franchement, bon, les mains, mon pote aussi. Bon, en fait, on perd du temps là. Là, honnêtement, les gars, franchement, le farming il est ultra simple maintenant. Genre, tu prends pas de dégâts, tu fais un milliard de dégâts. Je veux dire, les gars, en vrai, c'est ultra simple. Franchement, les gars, il y a aucune difficulté actuellement. 96 000, tu vois, on bouge pas en fait. 83 000 d'attaque. 83 000 d'attaque, mon pote. Ah, c'est affolant un peu. En fait, là, j'ai même pas besoin de réfléchir. Là, littéralement, j'ai mis mon skill level 2 de temps. Parce qu'après, je one-shot. Je sais, les gars, que je one-shot sans difficulté. Ah ouais, non, mais les gars. En fait, toute la team tape. Mais vraiment, toute la team tape. C'est affolant, en fait. Ah ouais, c'est débile. Tu sais quoi, je vais mettre la monocycle de domination. Tu sais quoi, on va tester. On est là pour tester Shion. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là, mais elle est incroyable. Bon, là, je mettais la carte de Thor, c'était finito. Mais on est là pour tester. On est là pour tester, les enfants. Et oui, les amis, Shion, elle est parfaite. Elle est incroyable. Franchement, les gars, rien à dire sur Shion. Franchement, les gars, elle est... bon, bref, on termine. On peut pas faire le mec aussi, on peut faire l'acteur. Ah ouais, non, mais c'est affolant, les dégâts, par contre. Hein. Je suis mort. Ok, 3, nice. 3 plumes. Ah, bon, écoutez, merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, des bisous.